Bon, ceci étant dit, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure iRacing. On passe à un autre jouet américain, on est toujours sur Oval, mais cette fois-ci, eh bien, on s'est décidé à partir du côté de Charlotte, en Caroline du Nord, pour une course de vie avec les Dallara de 2011. Alors si vous entendez Emeric rager, cette fois-ci vous aurez un petit bonus, c'est qu'il n'est pas avec nous dans la session, donc vous ne pourrez pas voir ses exploits, mais on est quand même avec Andy, bonsoir Andy. Salut à tous, c'est Andy. Et on est aussi avec Guigui et Zoltan qui, je ne pense pas, sont avec nous. Si. Non, pas là, pas si, t'es avec nous. Ah, cool. Donc on est avec Zoltan aussi. Donc on sera trois. Toujours en practice, par contre. Ah, c'est peut-être pas le même serveur, alors. C'est ça. Parce qu'on est toujours en practice, mais la practice du week-end de course. Ah, il a peut-être pas en train. Donc voilà, on a pris un choix délibéré de Skin Penske des années 90 parce que pour moi c'était les plus belles cartes de l'époque. Et autant en truck ça a été compliqué, autant ici. Ah, je me demande s'il n'y en a pas qui ont déjà recréé la voiture de Fernand. Si, il y a le cas. Mais surtout la DW12. Attention, la qualif. Faites attention au départ avec la Dallara. Moi je pars en 3ème, comme ça. Faites attention aux pit limites parce que je me suis déjà fait avoir en essai libre. De toute façon, moi je reste à l'intérieur et je monte sur l'ovale dans la ligne droite de derrière, en troisième. Mais il y a quelques boss qui peuvent facilement te la faire partir. Hein. Voilà, et une fois que vous êtes ici dans la ligne droite, allez, vous pouvez bombarder et vous montez sur l'ovale. Voilà. Bah, je regrette en aucun cas mon achat. Il y aura signe. Allez. Mais on n'a jamais dit que c'était quelque chose de mal ou de mauvais. On a critiqué déjà le prix parce qu'il faut admettre que oui, c'est cher pour certaines voitures et certains circuits, quasiment 15 euros avec les taxes de notre ami Donald Trump, hein, pour certains. Bon, pas personnellement, mais on laisse faire votre choix. Mais c'est vrai que une fois qu'on a passé le côté c'est très cher, il faut se dire que si vous investissez pour un an, on a profité ici tous d'une grosse promotion de 40%. Ça fait 80 euros pour une année. 80 euros, c'est quasiment un peu plus cher qu'un jeu que vous allez acheter ou deux jeux sur PC. Donc, honnêtement, ça n'est pas forcément si cher pour le temps passé. Après, c'est vrai que si vous souhaitez les GTE, les Proto, les F1, les Indy, etc., il faut investir. Et si vous n'avez pas le temps de rouler convenablement ni l'investissement, n'allez pas chercher iRacing. Vous savez très bien vous satisfaire d'autres simus. Moi, j'ai toujours promis que j'allais la lancer cette série sur la chaîne YouTube. Arrive un moment où j'ai décidé de la lancer, la situation s'est présentée, tout le monde m'a rejoint, tous mes amis ici présents ou pas m'ont rejoint, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion maintenant de se lancer et de vous faire partager ces premiers instants passés en ligne et même la suite de l'aventure. On ne sait pas où elle va s'arrêter, mais à chaque fois ce sera une course en ligne différente et j'espère vous montrer un petit peu au fur et à mesure ce que donne ce jeu. Voilà, j'ai bien pourri le tour qualif de tout le monde. Le teaser. On est en 24-6. Pas pareil. Ouais, de toute façon, les temps sont extrêmement proches. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ce qui est marrant, c'est que Daytona, c'est. L'année prochaine, en début d'année, c'est un beau petit hommage. Enfin, voilà. Teaser. Yep. Alors que je vais du coup partir. Enfin, Max le pilote partira juste devant. Hein. Partira P10 et P11. Tant que c'est P10. Ah, moi je suis P15 dans mon serveur. Messieurs, on serait tous réformés. Ah ouais, réformé P12. J'ai qu'une. Un pied carré. Ce passage. Zoltan, je te trouve pas. Non, mais je suis pas avec vous. Ah, d'accord. On s'inquiète, j'ai pas réussi à rentrer. Bref, allez, spectateurs, je vous regarde. Jockey! Faites-moi rêver! Ah, juste devant moi, il y a quelqu'un qui lag! Faut pas qu'il lag devant l'ovale! Et sur qui, Zoltan? Sur toi! Ah! Ah, y'a un mec qui a réussi à avancer, comment il a fait? Ah, c'est que la voiture elle avance! Mais je peux avancer moi aussi! Dès que tu peux mettre la première, c'est que la PSK elle part!
et regarde, laisse-moi, attends, laisse-moi à peine de place, Max. Voilà. Voilà ma voiture. Ah, please, elle est please, magnifique. Please silence, please. Bah, c'est la. Emric, please be quiet. M'en fous. Bah, non, mais tant qu'à faire, autant parler une langue qu'ils comprennent, qu'ils allaient leur demander un truc. Il y a du monde qui. C'est l'eau au tour de chauffe. C'est la Maroussia. La Maroussia de Jules. Elle est leur magnifique. Dit shut up, ça marche. Ça lui va bien. Très bien. Ah bah écoute, ah, façon, je violent. Me sens obligé, c'est mon numéro. On a eu un big one au tour de Chauffe. Ah. Je pense qu'à côté de moi il y a une Dan Weldon, pardon. Ça y est, il y en a un qui est parti. Stop weaving, it doesn't do anything to the tires. Par contre, essayez de faire un petit virage à droite, vous allez voir qu'elle est pas faite pour tourner à droite. Ouais non. Le mec fait arrêter de zigzaguer, les pneus ça change rien, c'est pas fait pour, ça changera rien. C'est pas normal que je sois pas dernier, c'est pas ce délire. Sir. Ah non, parce que c'est les grands, c'est going green. Ah, je suis en 2, j'ose pas mettre en 3. Moi je suis en 3 justement. J'ai peur de me faire larguer. La 2 elle est violente, hein, jamais pas moi. The pipe car is in. Oh là là. Bah lui il va se prendre un bloc, je vais tout de suite vérifier. Attention, attention, big one sur la ligne, c'est bon. Car outside. T'as vu passer, Max ? Ouais, ouais. Je suis derrière toi, marche. Mais c'est très compliqué. Car outside. Clear outside. Inside. À vol. Il y en a partout. Clear inside. Y'a un mec à droite ou pas, Zotan ? Y'a personne. Y'en a un à ta droite, là. Ah, j'ai touché le mur! Il y a un niveau de concentration là, rarement atteint depuis le début de cette série. Parce que là, c'est plus éviter en cas d'accident que tenter de remonter. Hein. Là, vraiment, c'est tourner et attendre que ça vienne à nous. Les changements de ligne très chaud, t'es bien? À ton intérieur, Emric. Bon, ça va. Attention, ça a touché en haut, ça a touché! Back, enfin, en bas. Tu vois la manette devant. Je peux faire high et low. Hein. Go low. Mais il y a plein de mots qui sont venus à ma bouche en même temps, je ne sais pas quoi dire. Il y a une voiture qui m'est passée au-dessus. Je suis passé sous une voiture. J'ai fait une Jimmy Bly. Bon, je suis 14ème, mais en vie. Can't expect much if you're using one monitor. Oh, allez, ça recommence turn 1. Go low. Ça va, ils sont ouais. Spotter ouais, qui dit go low, ils sont tous en train de redescendre, moi je suis passé en haut. Hein. Ah mais Emric t'es pas avec Maxou en fait. Non je suis pas avec eux. Le mec il se réveille. Zoltan il a pas eu un accident dans le turn 4, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, je cherche depuis tout à l'heure, y'a rien. Ah, premier contact avec le mur. Emric il est bien. Pour l'instant. Il est P4. Ouais. Moi je sais pas, je suis passé 13ème mais j'ai perdu beaucoup de temps parce que... Ah bah je suis pareil, fou, il va revenir. Je suis passé à travers des accrochages, je sais pas comment j'ai fait. Je suis à fond de 5, pas la peine de mettre la 6. Ah ouais Tu peux, ça donne 2-3 km de plus mais c'est très léger. Faut jongler entre la 5 dans les virages et la 6 en ligne droite. Sérieux? On va essayer, ouais pour le couple, pour la relance. Y'a à peu près 200, je crois c'est Newton. Ouais, faut que je me concentre. Bah voilà, non, tour minute, je vais mettre. Il y a 200 tour minute de différence. C'est pas grand chose, mais. Et tu perds pas du temps à shift ? Non. Tellement rapide. Ok. Ah, ça ressort. Attention en bas. Enfin, passe bien en haut. Donne le virage. Sortie virage 2. Non, dis 1, 2 ou 3 ou 4. T'inquiète, tu me dis juste 1, 2, 3 ou 4 et j'aviserai. Ok. Parce que t'es tellement loin par rapport à moi. Il y en a un dans l'herbe au turn 3. C'est ça, c'est lui. On se spot, c'est marrant. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, hein. Ils font ça en vrai aussi. Sérieux, ils se font ça en triplier? Je pense. Oh, comment ils doublent devant. Oh. Franchement, je pense. Ce serait agréable. Franchement, ce serait propre. J'en appelle à Michael. Sur l'intérêt, Emric. Vas-y. Attention, virage 2, l'eau. Et ça a tapé. J'ai tapé. Double coup. Et je peux rien faire. The leader is pitting. Oh là là. Ah oui, il y a des voitures. Il y en a une, c'est moi.
What the fuck, man? What the fuck? The lead is spinning down. Putain. J'ai tellement une bonne course. Le leader est au pit à ce point-là. Attention, Rod, tu l'as viandé. Ah, mais attends, il est en retard, le mec. Voiture mais dans l'herbe, il est pas arrivé. Ah, mais attention, moi je suis au stand. Ah oui. Ah, je me suis pris le mec qui est au milieu. C'est moi qui faisais les tonneaux. Oh ah oui, j'ai pris en pleine vitesse, j'ai pris à 300. Et nous sommes au tiers de l'épreuve. Emmerich a évité un violent accident. Extrêmement salé. I totally agree. Je sais pas, mon push tuto qui me l'affiche plus, comment ça se fait? Mais ça marche plus. Bah, je suis en train de tomber dans le classement, je suis de 7 montagnes. Moi je remonte là, je suis 8ème. Attends. Il y a un mec à mes côtés, je passe à hauteur d'un mec qui est à côté de moi qui sort des box, il part en thérapage, il tape dans le mur tout seul. Ouais. Il est pas touché, c'est pas possible qu'il soit un bug de hitbox. Et bon. Bizarre. Juste au moment où je le touche, il sortait des box et tout seul dans le mur comme un grand. Ça t'intéresse que je te respot, Andy, ou pas, vu que t'es ressorti? Je vais ressortir bientôt, je suis encore ressorti. On est encore pour longtemps? Je pense. Alors c'est bon, je suis reparti. Je suis P7. Bon, la voiture va bien, j'ai eu le fast pit stop. Je passe à ta droite. Et la voiture est complètement partie en zigounette. Elle est pas droite? Non, pas vraiment. Déjà, mon écran est dégueulasse, je sais pas quelle touche il faut pour... Ah, j'ai pas de saleté. Le tir-off, c'était. Le tir-off. Bah non, le tir-off, c'est le chat. Enfin, le T, c'est le chat. Ah oui. Ah, moi, c'était le tir-off. Moment gênant. Je vais mettre deux roues dans l'air tout seul. Comme un grand. La voiture veut vraiment pas repartir. Attention, turn 2, c'est moi, la c'est voiture moi. L'eau. C'est moi. Ah, bah c'est toi. La voiture veut pas repartir, elle. Dès que je monte un peu rapidement. Ah, c'est bon, ça a l'air d'être parti là. Ouais. C'est de remonter sur l'ovale. Hein. C'est ça. Ça pour info, Emmerich, t'as personne derrière. Ok. Merci. T'es planté tout seul, il s'est planté tout seul. Allez, je suis 15ème. Je pars dernier, je suis 7ème. Hein. Regarde, t'as vu tout ce que t'as comme problème? Je suis que P7. Et je suis tout seul, je suis dans un no man's land, j'ai l'impression de faire du training moi, tout à l'heure. Le mec devant moi, il est à 8 secondes. Ah, ça a tapé devant. Où ça a tapé, où c'est au box? Saido, please, Saido. Ok, c'est au box. Pourquoi il faut. Il n'y a pas d'arrêt obligatoire? Non. Ah bah. Vous allez gagner. Hein? J'ai gagné des places, je crois. J'ai encore du mal à me familiariser avec les écarts par rapport à qui est devant moi ou derrière avec le bleu, c'est des retardataires, rouge, c'est des mecs en avance. Enfin, il y a des mecs qui ont un tour sur toi. D'accord, parce que j'ai du bleu ciel et du bleu. Voiture arrêtée en plein milieu du turn 1. Ok, merci. Griser ses pits normalement. Ouh! Est-ce que moi dans une putain de merde mais en chemin? Les compliments, MDR. Bah, il a l'air de bien rouler le jaune, donc je m'appelle pas, je laisse. Le jaune, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a comme latino? C'est ouf, hein, comme prénom hispanique. Et non, bah, c'est dingue. Hein. Pour le coup, c'est un. Voiture arrêtée, turn 1 encore. You're in fourth position. Je suis remonté P4. Et j'ai pris un off track parce que j'ai mis deux roues dans l'herbe en étant surpris. Dommage. C'est pas la mort non plus. Oh, ça revient derrière moi. Car outside. P6, c'est Mike. Ok. You've nudged the wall several times. What are you juggling with a keyboard? Là, il me sert de draft. What are you doing? Je reviens grâce à lui. Terrible. Je viens de me faire doubler par un mec qui a essayé de passer entre moi et le mur. Essaye de le draft un petit peu. Yeah, Chris, if you stay high, you need to control your line. Don't slam in the wall. Mon écran est dégueulasse. J'ai aucune tâche, pourtant j'ai toutes les options. Ouais, je pense que c'est vu que j'ai tapé. J'ai de la plein l'écran. Et c'est pas en IRL. Ah, le pire. Alors, vous pouvez apprécier cette séance d'essai libre de 30 tours. Nous sommes à deux tiers d'épreuve. Alors qu'il y a aussi Gabul dans le chat. Vous pouvez en profiter d'ailleurs en haut de l'écran. À peu près les seules choses intéressantes qui se passent depuis 5 tours.
Quelqu'un a une brique à mettre sur ma pédale que je la cale et que je vais masser les orteils avec des grenouilles qui me lèchent la boucle plantaire. Arrête! Ça te fait rire? Mais oui! Pardon. P5 là. Bon, y'a un mec qui est remonté sur la piste au turn 1, c'est chaud. I know, but Chris, I don't know why people have such a hard time controlling. Oh, comment j'ai évité, j'ai mis un tout petit coup de volant. Je suis rapide. Tiens. Bien sûr, ton tour le plus rapide. En 24, je suis remonté P3, c'est un miracle. Pourtant, les pneus ils sont usés, ils sont. Ah ouais, tu prends un coup. Ah, un retardataire, j'ai peur, j'ai très peur. Le mec zigzag. C'est pas Toy Story ? Ah, ça va se passer. Non, c'est pas très cher le bonhomme. Oui, oui, le cheval. Reste 7 tours à faire, mec. C'est le chien. Ah, mon bras droit, vieux. Ça va, honnêtement. T'as d'avoir des volants de bonhomme. Hein. Faut avoir les bras avec maintenant. En fait c'est bien, en fait tu payes iRacing, tu payes un abonnement de muscu. Amazing, c'est de Fabrice. Thanks. Ah, oh mon... Car stop down low, go high, the next car's the leader, the leader's pitting now. Le leader est au box. Si c'est juste, hein, parce qu'il me dit des trucs depuis tout à l'heure. Si le leader est vraiment au box, je peux passer P2. Et je suis toujours P3. Okay, you're in second. Et je suis P2. Allez. Comment m'inquiète. Je propose à Andy de s'arrêter, de me spotter pour essayer d'arriver à la victoire. Dead code. Ah oui, d'accord. Slow car down low. Car stop down low. Voiture arrêtée juste avant la ligne droite de départ arrivée. Ouais, moi je suis planté. Ah ok. Excuse-moi, je continue, je sais pas où t'en es. Je suis dans le troisième virage et je suis complètement en bas. Bah écoute, moi je tourne sans aucun dégât, j'ai évité tous les pièges jusque là. Il va rester 3 boucles, on est P2, allez. Voiture ralentie, c'est toi. Il faut tuer en tête à queue. Et je devrais être disqualifié parce que je suis à x18. Mais le jeu... Allez, il va rester deux boucles. Je vous avoue que j'ai un petit peu la pression au fond de la poitrine parce que là, si personne ne nous rentre dedans, on tient peut-être notre première deuxième place. On progresse dans cette session. Il y a beaucoup de monde de boxe. Allez, c'est Philippe Kaplan qui est en tête. Très bien, beaucoup de monde devant, il y a un accident. On arrive à passer entre la voiture en perdition et le mur, c'est très très chaud. J'ai trois dommages, Hamdon. Et on entame le dernier tour, drapeau blanc. Et nous sommes P2. Et nous sommes en tête. P1. Allez. Le second s'est planté. T'as largement de quoi faire, c'est bon, tu peux gagner normalement. On va essayer de pas faire une île de brande. Là, voilà. T'as largement de quoi faire. Tranquille. Allez, la première victoire, c'est fait. Yes. Thanks, Saido. Amazing, Fabrice. Yes, c'est fait. On aura eu tout là, Cody. Congratulations. Well done. Congratulations. Fabrice, amazing. La première course sur IndyCar aussi. Première course, un Enzy, première ouais, victoire. Ouais, mais je pense pas qu'on m'entende en fait. Et t'as les. Les feux d'artifice. Et bah ben, voilà. Et je sors. Ah la vache, c'était génial. Bien joué. Ah bah merci. Et tu spot aussi parce que putain. Là, j'étais en caméra sur la tour et je regardais, vous ouvrez des tournois en rond de haut. T'as pété mon cœur. Non, mais le règlement. Fais gaffe. Ah non, what's up doing. Ouais, bravo. Ah, GG Max. Ah, je suis complètement salé, mais bravo.
Ah, je suis déçu, okay, j'ai gagné. Ok, the race is over, bring it on in. Allez! Le regard perdu de mon mécano qui me regarde avec les yeux vides, genre. Really, bro? Et bien voilà! Sur la voiture du team Penske. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bordel hein, à la régulière, c'est impossible de gagner. Mais voilà, c'est fait, on l'a gagné, 30 tours. On va quand même sauver le. C'est quoi, on fait la prochaine ou... Enregistrer le replay. Voilà. Bah écoutez, voilà, première victoire sur iRacing et avec la Dallara. Donc, ça devait arriver un jour ou l'autre, hein, vu que la chance tourne même pour les plus faibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite pensée à mon ami Andy qui a morflé sa race pendant cette course. La roue tourne a tourné. Voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, comme diraient les collègues. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur cette aventure iRacing. Et d'ici là, bon amusement en piste et à la prochaine. Salut! Oh, faites un don à ta compte mini. Salut!